de la motorisation volet roulant, de la clim et du chauffage central. L'écosystème des interrupteurs était module d'entrée, quelques interrupteurs TechNix, quelques thermostats. Le gros du marché était assez cher, les tickets d'entrée faisaient qu'on était dans un marché de luxe principalement. Vous avez en rouge nos comparaisons par rapport au traditionnel sur la Tunisie. Hein. Ces data concernent plutôt la Tunisie. Et évidemment, principalement un marché de luxe. La moyenne des interventions en fitting, maintenance, formation, SAV sur des problématiques sur lesquelles on était impliqué ou sur des problématiques sur lesquelles on n'était pas impliqué, en gros, on était à 17 interventions par projet en moyenne. Dans les années 2010, l'écosystème s'est un tout petit peu étoffé. La lumière surtout est passée sur de l'économie, ce qui a nous a posé quelques problèmes, les motorisations intérieures, l'arrivée de la LED de manière aussi assez élevée, le plancher chauffant qui a beaucoup changé les choses, et nous, la révolution en 2011, c'est des data à plus 2 ans, moins 2 ans, hein. Pardon, quand je dis 2010, ça va faire 2000, 2008, 2012, 2013. On a eu la révolution et une montée en puissance des demandes de sécurité, principalement sur les caméras connectées, les caméras IP, et on a commencé à intégrer de manière assez régulière un peu de multi-room et d'audio. L'écosystème des commandes s'est accru principalement en KNX. Les thermostats sont devenus des room contrôleurs qui permettaient de faire beaucoup plus, évidemment, avec des scénarios plus complexes. L'entrée des dalles tactiles, l'entrée des capteurs KNX et 2010-2011, vraiment pour nous, ce qui marque le tournant de la convergence IP, l'arrivée de l'iPhone et ensuite de l'iPad qui a commencé à vraiment beaucoup changer notre métier et à nous créer des problématiques nouvelles. 2010, le prix moyen du ticket d'entrée est moins élevé, les projets traditionnels coûtent un peu plus cher, nos scénarios commencent un peu à se complexifier et vont avoir une notion de gestion de l'énergie. Il faut savoir que le mix énergétique de la Tunisie et du Maroc sont très mauvais, que l'énergie coûte cher, qu'après la révolution et les accords qui sont tombés avec la Libye, l'énergie a coûté encore plus cher, et en Tunisie principalement, plus vous consommez, plus vous payez cher l'électricité. Donc je ne vous raconte pas les factures sur les gros projets. On a commencé à rentrer des projets hôteliers, du tertiaire, etc., mais ces data ne les concernent pas. Évidemment, la maintenance s'est augmentée avec le nombre de projets, avec le nombre de choses que nous gérons. On est arrivé sur 24-25 interventions par an, qui étaient principalement des déplacements en plus, et il a fallu réagir de manière drastique. 2015, l'arrivée massive de la LED sous toutes ses formes, la gestion des motorisations et de l'ensoleillement des grands bâtiments, l'intégration du multimédia, toujours de la sécurité, encore de la sécurité et du contrôle d'accès. Et pour la partie commande, la personnalisation des commandes, les room contrôleurs sont devenus en même temps des portiers, et on a commencé à intégrer des stations météo, évidemment les iPads, les iWatch, et des demandes assez farfelues de plus en plus sur l'intégration des thermostats et des objets connectés, et sur la voix, et par exemple, entre guillemets, l'emplacement de la présence en Bluetooth. Alors le coût moyen, les tickets d'entrée a excessivement encore baissé, on s'est amélioré, l'écosystème KNX s'est accru de manière exponentielle, aujourd'hui il y a plus de 450 fabricants, c'est le premier standard. Et ce qui est génial, c'est qu'on a commencé à rentrer des projets dans l'enseignement, l'urbanisme, la rénovation hôtelière, le tertiaire, le militaire, donc on a eu une explosion du marché, et les arguments qui étaient avant le confort, ensuite l'énergie, on est arrivé maintenant sur une vraie guerre de prix, et on rentre des projets où l'argument financier devient un acteur majeur de nos commerciaux lorsqu'ils signent des projets. En revanche, contre-coup, voilà, la maintenance a explosé. On est à plus de 35 interventions en moyenne par projet résidentiel, et c'est intenable. Il a fallu complètement reprendre notre problématique. Les coûts de maintenance deviennent très élevés, et nous, on a toujours travaillé sur la satisfaction client, c'est-à-dire qu'il faut avoir 100% de nos clients qui sont contents. Pas 90, pas 95, c'est 100%. Il n'y a aucun client parmi plus de 300 projets, il n'y a aujourd'hui aucun client qui peut dire que ça ne marche pas chez lui. Quel qu'il soit. Peu importe le prix que ça nous coûte. C'est impératif. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié notre approche commerciale. On a séparé les offres pour éviter d'avoir des livrables qui sont trop complexes. On a défini clairement les livrables avec les clients. On s'est entouré de sous-traitants compétents. Et on a mis des outils de diagnostic et de maintenance à distance en position chez tous nos clients. Alors, modifier notre approche commerciale, c'était apprendre à dire non.
C'est très important de dire non. Avant, le réflexe, c'est de dire tout à oui, de vouloir un marché à tout prix et d'accepter n'importe quoi. On est arrivé avec des demandes farfelues où il y avait pour 400, 500, 700 euros de développement pour connecter justement un IoT qui a ramené le client des États-Unis en disant c'est le dernier truc. Il a acheté, c'est la version 1, c'est un proto, c'est pas un standard. C'est un truc qui sera obsolète dans 6 mois ou 8 mois. Le développement sera également obsolète. Donc on a appris à dire non. On leur a dit, nous, on fait des bâtiments, ils sont autonomes, votre maison, elle fonctionne tout le temps, qu'il y ait de l'Internet, qu'il n'y ait pas d'Internet, ça marche, c'est fiable. Donc, on a eu la chance, nous, en Tunisie, j'ai eu une coupure nationale d'électricité. Nationale. C'est arrivé à aucun de vous, je pense, ici. À l'époque, j'avais déjà plus de 300 projets en fonction sur la Tunisie. 300 installations. Les plus grosses, un hôtel, les plus petites, un jardin de résidence. Ça a été la panique le dimanche après-midi. J'ai appelé tous les techniciens, j'ai appelé tout le monde, j'ai annulé tous les rendez-vous. Et lundi matin, tout le monde attendait au bureau. J'ai eu zéro coup de fil. Zéro. Tous les systèmes Kalini sont redémarrés, tous les bâtiments ont remarché instantanément. C'est basique, mais c'est fiable. Et c'est très important que ce soit fiable. Donc on leur a appris à dire non, de manière à ce qu'ils ne s'embarquent surtout pas vers des choses sur lesquelles on va perdre notre crédibilité et on va perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'on perdra les deux en même temps. Le client sera moyennement satisfait parce qu'il confond gadget et fonctionnalité et nous, on ne pourra jamais le vendre au prix auquel on aurait dû le vendre réellement. Ensuite, on a séparé les offres. Ce que vous avez vu, les actionneurs de base, c'est-à-dire le contrôle de la lumière variable, les motorisations, la climatisation, le chauffage, c'est une offre. Et ça s'arrête là. Ça permet d'encaisser d'abord des acomptes en cours de route sur des chantiers qui peuvent freiner 24, 36, 48, 72. J'ai un chantier qui est ouvert depuis 5 ans sur un client qui a acheté 3 terrains d'affilée dans sa villa. On est passé de 1000 à 4000 mètres carrés bâtis. Si vous n'avez pas encaissé de l'argent pendant ce temps-là, vous êtes juste mort. Vous pouvez aller vous coucher. Donc on a défini ça. Ensuite, on a fait donc des commandes programmables. Pareil, le moment où, entre guillemets, vous allez définir l'interrupteur avec le client et le moment où il va être posé, c'est-à-dire après le 1 de finition en général, ça peut être 24 mois. Donc c'est pareil, on leur laisse de la flexibilité, c'est une offre à part. La sécurité, c'est une offre complètement indépendante et le multimédia, c'est la même chose, dans la mesure où du moment où vous avez déterminé avec votre client un système, les références au moment où vous devez livrer n'existent plus, tout simplement. La moyenne de vie du multimédia sur un produit moyen de gamme, c'est 8 à 10 mois. À 10 mois, il est en déstockage sur un site en ligne. On a défini des livrables, très important. Donc, des scénarios de base fonctionnels. Notre argumentaire, on l'a développé avec l'hôtellerie et on l'a développé avec les promotions immobilières avec lesquelles on a explosé depuis 4 ans. C'est de dire, voilà, il faut quelque chose qui soit simple, qui dépend pas des gadgets et des objets connectés, qui est la remise en état du 1.0 du bâtiment, de l'appartement, du moment où le client va le vendre. Et c'est très important. Les gens n'achètent pas un logement pour toute leur vie. Et il ne faut pas qu'il y ait un cahier comme ça quand vous rentrez dans le logement pour savoir comment il marche. Sinon, c'est ingérable. Quand vous rentrez dans une voiture d'occasion, les standards sont connus. On sait où est le clignotant, on sait où est les phares, les logos sont pratiquement les mêmes, voire les mêmes. Et votre apprentissage d'une nouvelle voiture se fait en minutes quand vous en louez une. Il faut que ce soit la même chose pour le bâtiment. Il faut que l'apprentissage soit en minutes, pas en heures ou en jours. Donc on définit des livrables avec des scénarios de base fonctionnels, la signature d'un cahier de programmation, une réception définitive, et on leur explique cette programmation de remise en place du 1.0 à la vente du bien. Et on l'assure et on le fait pour eux, ça fait partie du contrat, et on fait des pièces de ce genre-là, où quand il y a un projet, tout est défini sur les commandes, vous avez la même chose pour les armoires électriques, et chaque page est signée par le client. Et c'est son 1.0. C'est ce qui nous permet de solder le livrable, de dire voilà, on a fini cette partie-là. Ensuite, on s'est entouré de sous-traitants compétents. On avait fait l'erreur de prendre des sous-traitants qui savaient à peu près tout faire, et en fait rien et n'importe quoi, à savoir poser un système d'alarme et poser une caméra IP, c'est pas le même métier. Poser une caméra IP et savoir gérer un 0-1, un réseau IP, c'est pas non plus le même métier, parce que les gens avec une pince RJ45 sont persuadés qu'ils savent faire un VLAN, ils savent pas faire un VLAN, ils savent pas ce que c'est. Donc on a eu des problématiques. On a donné des notations à nos sous-traitants, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas nos sous-traitants, les intervenants, sur le même type de projet, en fonction de leurs notes. Leurs notes, c'est la qualité des documents qu'ils nous remettent, la qualité des plans, la qualité du récollement,
Et bien sûr, la réponse qu'ils nous donnent quand on a des problèmes ou du SAV. Ensuite, on a pris des sous-traitants donc spécialisés. C'est-à-dire que pour nous, quelqu'un qui fait de la Wi-Fi et du réseau informatique, c'est un métier. Quelqu'un qui fait de la sécurité et du contrôle d'accès, c'est un métier. Quelqu'un qui fait de la télédistribution, c'est un métier. Et quelqu'un qui a une équipe de 5 personnes et qui fait tout, pour nous, c'est pas possible. C'est pas un métier. La somme des compétences aujourd'hui nécessaires pour faire ce type de métier est devenue trop grande pour être gérée par des petites unités. C'est impossible. Et enfin, nous avons mis des outils de maintenance et de diagnostic à distance. Pourquoi ? Parce que le but, c'était de réduire les coûts de déplacement et de proposer du service. Aujourd'hui, tous nos clients disposent d'un contrat de maintenance, ceux qui l'ont signé, de 1 an de fitting gratuit. Fitting, c'est la reprogrammation. C'est-à-dire, ils disent, voilà, tel interrupteur, j'ai envie que ça allume et que ça éteigne tout le jardin. C'est fait en moyenne en 2 heures. On se connecte, on reprogramme l'interrupteur, et ensuite, lors éventuellement d'un passage à proximité, s'il y a une étiquette, on changera l'étiquette. Mais dans tous les cas, la satisfaction client est énorme. Pour ça, on a demandé un contrôle obligatoire du réseau IP. On fait des contrats de SAV, donc de fitting, fortement conseillés. Et surtout maintenant, on facture les clients qui nous font déplacer pour n'importe quoi. C'est-à-dire ceux qui ramènent des nouveaux éléments perturbateurs et qui, entre guillemets, ont le réflexe de dire que c'est nous le maillon faible. Et quand on se déplace, on s'aperçoit que quelqu'un est venu, a fait une intervention autre et avait besoin d'une prise IP, donc a débranché un de nos matériels pour brancher le sien. Un grand classique. Ah, j'ai acheté une nouvelle borne Wi-Fi qui est Apple. Le mec est arrivé, il avait besoin d'une connectique, il a débranché la nôtre et il a mis la sienne. Pas de chance, c'était notre contrôleur réseau. Voilà, donc ce genre de choses aujourd'hui, maintenant on facture. Et on facture cher. Comme ça, les gens apprennent la leçon. Le service client est toujours là, mais il vaut de l'argent. Écoutez, voilà, j'ai terminé. Alors là, effectivement, on est dans le haut de gamme, hein, on est sur plutôt de l'hôtellerie ou de l'hôtellerie, plutôt haut de gamme, on est loin de... Non, on est aussi maintenant, depuis 4 ans, sur du moyen, du résidentiel local et du résidentiel destiné au tourisme. Moyen haut de gamme. On est loin du logement qualité pour tous, c'est ça que je veux dire. Ah, très bon. Par contre, on a un pionnier, parce que là, tu es monté à quelques années, mais c'est cet enseignement qui est intéressant. C'est le rythme qu'on voit de 5 ans en 5 ans, qui devient de 2 ans en 2 ans, qui va venir de 1 an en 1 an, c'est de, chaque année, maintenant, il va y avoir une rupture, en fait. Donc ça veut dire que si on ne se prépare pas à ça, eh ben, on perd tous notre temps, parce qu'on va s'adapter là en 2017, sauf qu'en 2018, ça sera déjà passé autre chose. Donc comment tu vois les choses, et quel conseil tu donneras à l'intégrateur aujourd'hui pour encaisser ce choc-là? La première chose que je ressens, c'est l'explosion dont vous parliez, des objets connectés et cette espèce d'amalgame entre le smart home. Moi, j'ai toujours eu un référentiel, c'est l'industrie automobile. Ça m'a toujours motivé parce que c'est un marché qui est mature, qui est intelligent, qui a 100 ans d'expérience, et c'est pas rien, 100 ans d'expérience, et qui a évolué. Quand sont arrivées l'ouverture et la fermeture centralisée des portes, c'était un gadget. C'était sur quelques Mercedes, quelques BM, quelques machins, et c'était pas en série. Quand ils se sont aperçus, petit à petit, que ça fonctionnait bien, que c'était bon, la clé fonctionnait, le système fonctionnait, ils l'ont mis sur la Twingo, sur la Dacia. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous pouvez aller voir Mercedes en disant, vous êtes gentil, moi je veux une clé pour les 5 portes, je veux pas de clé connectée. Ils vous répondent non. Pourquoi ils vous répondent non? Parce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de mettre 5 barillets que de mettre 5 systèmes automatiques électriques. Et il y a moins de composants. Nous, notre idée dans un bâtiment, c'est pareil. C'est de dire comment simplifier le bâtiment en le rendant énergie, bien sûr, et énergie moins énergivore et plus confortable avec des choses excessivement simples et avec un minimum de pièces à l'intérieur du système. Moins il y a de pièces dans un système, quel qu'il soit, c'est une notion d'ingénieur, plus son niveau de fiabilité va monter. La deuxième chose que je dirais, c'est ne vous embarquez pas trop, à mon avis, dans les IoT parce qu'il n'y a pas de standard. On est encore en pleine guerre. C'était la guerre des systèmes informatiques d'il y a 35-40 ans. C'était la guerre des réseaux d'il y a 25 ans. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu, Token Ring, Apple Talk, etc. C'est IP qui a émergé et qui a gagné, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et des gens se sont retrouvés avec des usines et des bureaux entiers dans des systèmes de réseau qui sont devenus obsolètes en 3 ans. Donc, il faut laisser émerger les choses et voir sur quel standard quelque chose, si ça va émerger. Pour l'instant, c'est une jungle, les IoT. Et ne pas confondre
Il y a un autre problème aussi qui est pour nous important, c'est l'aspect client. Les gens voient un reportage, et ça c'est les journalistes, c'est normal. On est sur quelque chose qui est quasiment un prototype, ou voire une version 0.5, vue au CES, vue en reportage, vue en documentaire. Et le client final, lui, pense que c'est déjà un truc qui est robuste, fonctionnel, qui marche, facilement intégrable, etc. Et il va l'acheter, il ne va pas réussir à le faire marcher 9 fois sur 10 tout seul, et il va vous appeler. Et là, vous vous retrouvez dans une problématique, l'objet vaut 150 euros, et on vous demande 600 euros de service, que la personne ne voudra pas payer. Elle ne paiera pas 500 ou 600 euros de service pour un gadget à 150 euros. Donc c'est une impasse. Donc savoir dire non. Savoir dire non. Merci beaucoup. Je vous en prie. De... Le logement connecté pour tous, je crois que c'était Alain qui en a parlé, va passer par les retailers. Alors il y a plein de retailers là, il y a une Gramme Micro qui est là, il y a des gens comme Rexel, ce n'est pas, et puis il y a des vrais retailers grand public, et on a la chance aujourd'hui d'avoir Vincent Dufflet, donc le directeur général des services de Darty. Je ne vous cache pas qu'on n'a jamais fait intervenir ce genre d'acteurs, mais le marché va passer par eux. Et probablement, qu'il y a des écosystèmes qui vont se former autour d'eux. Et donc, voilà, Vincent, je vais te passer la parole. Et voilà, 15 minutes, si tu veux nous donner ta vision, voir comment cet écosystème peut se mettre en place. Merci. Et bonjour à tous. Alors, c'est vrai que l'intervenant d'avant parlait de confusion, je crois, c'était le mot employé. Donc, on est assez d'accord avec ça. On pense qu'il y a une confusion assez général. La première, c'est que finalement, on parle d'IoT, on parle de smart home, on parle de plein de choses, on parle de connecté, mais ça regroupe, de notre point de vue, au moins deux grandes réalités. La première, c'est des objets qui sont des nouveaux objets au domicile du client. Nouveaux objets, ça peut être un assistant personnel, ça peut être un appareil pour faire ses courses plus facilement, ça peut être un bouton qu'on met sur sa boîte aux lettres pour appeler la poste quand on a un colis à envoyer. Vous voyez, c'est des nouveaux objets. Et les nouveaux objets, bah, en fait, ils sont nouveaux, mais enfin, ils sont comme tous les objets qui ont été lancés depuis des siècles, à savoir qu'ils répondent à des contraintes et à des impératifs, on va dire globalement, liés au marketing mix. C'est-à-dire, c'est quoi le prix, c'est quoi l'usage, comment est-ce que je le communique, c'est quoi la distribution. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses finalement assez basiques qui sont liées d'abord au fait de dire est-ce que les clients sont prêts à payer pour un objet qui vaut ça. Et j'ai envie de dire, ils sont sûrement pas prêts à payer le service, les 600 euros tout à l'heure, mais ils sont, c'est ce qu'on voit en tout cas, pas encore forcément très prêts à payer les 150 euros pour le produit. Donc, dit autrement, ces nouveaux objets qu'on qualifie souvent d'IoT, ce qu'on voit au CES, il y a eu un décalage très important entre la volumétrie d'objets, la curiosité que ça provoque chez le consommateur, chez nos clients, et puis la réalité du business. Hein, aujourd'hui, c'est quand même assez limité, il faut bien le dire. Pas pour ça que ça ne nous intéresse pas, au contraire. Hein, c'est passionnant, il faut trouver les bons usages, les bons produits, mais ça reste quand même à bâtir, très largement. Et encore une fois, c'est peut-être très moderne, c'est peut-être complètement digital, ça fait rêver, mais ça répond à des impératifs de marketing mix comme la voiture d'il y a un siècle, ni plus ni moins. Et peut-être que parfois on a un peu tendance à l'oublier. Et puis deuxième chose, il y a le gros truc, et le gros truc c'est les objets qui deviennent connectés. Vous voyez, j'ai acheté un téléviseur il y a 10 ans, maintenant il est connecté à Internet. J'achète un lave-linge aujourd'hui, dans quelques années il sera connecté à Internet, certains le sont déjà. On a oublié aussi qu'avant que les ordinateurs soient connectés à Internet, ils ne l'étaient pas. Hein, on a acheté un jour un ordinateur qui n'était pas connecté à Internet. Oui. Donc cette histoire de connectivité, elle est fondamentale parce que ça change tout. Ça change la façon dont on les utilise, ça crée des nouveaux usages, ça crée aussi pour nous, distributeurs, des nouveaux arguments de vente ou de montée en gamme, c'est-à-dire ben, ce produit-là, il est mieux parce qu'il peut faire ci et ça. Donc c'est intéressant. Mais ça dit aussi que cette histoire de révolution, on l'a déjà vécue, et pas forcément en bien. Quand les télés sont devenues des smart TV, quand les télés sont devenues connectées, elles le sont maintenant environ à 50%, on ne peut pas dire que ça a été la révolution du siècle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vous-même chez vous les téléviseurs connectés, ça n'a pas changé votre vie.
Donc il y avait marqué collecter, mais finalement il ne s'est pas passé grand chose. Donc c'est vraiment intéressant de voir tout ça parce que ça nous dit le futur. Ça nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les pièges à éviter et les choses à poursuivre. Ça, on va y revenir. Si on regarde pour ces deux catégories les enjeux, la collectivité, on voit bien aujourd'hui, c'est quand même assez clair qu'ils sont en gros de l'ordre de quatre niveaux. Le premier, c'est développer des nouveaux usages permettant de générer des revenus directement, c'est-à-dire je crée des usages sympas, j'en fais des produits, hein, et je les vends, 150 euros, 200, 300, et je crée une marge, souvent d'ailleurs pas énorme, hein, la marge, parce que on sait que l'un des points clés, c'est clairement la difficulté qu'il y a d'avoir des usages puissants en termes de produits connectés, avec des prix raisonnables. C'est un des points clés. Deuxième possibilité, c'est qu'on va créer des nouveaux services. C'est-à-dire qu'on dit, comme les produits, on a du mal à les vendre en tant que tel, parce qu'il est consommateur, il n'a pas envie. Pour lui, un téléviseur, c'est 300 euros. Donc payer un gadget à 150 euros, ça fait cher. D'ailleurs, souvent, ce qui se passe, c'est que les produits connectés sont achetés en cadeau, si je peux dire. C'est un cadeau sympa, parce que justement, la personne ne s'attend pas à recevoir un objet comme ça. On n'avait pas l'utilité. Et finalement, ça ne servira pas forcément. C'est l'exemple parfait du cadeau. Alors, d'ailleurs, les statistiques de produits connectés qui sont non utilisés et même non déballés sont stupéfiantes. Stupéfiantes. Alors, donc du coup, on se dit, comme c'est cher, par rapport à ce que ça fait, on va en faire des services. Alors, ça a été des mots magiques, le service par abonnement, on fait des abonnements de trucs. C'est très bien, les abonnements, on en fait chez Darty depuis 15 ans environ. C'est pas non plus le truc du siècle, au sens ça va pas résoudre tous les problèmes de la Terre. On peut pas tout passer, parce qu'on n'arrive pas à vendre un shop des produits tout en abonnement, en se disant, en faisant payer 10 euros par mois, ça va être plus facile à acheter. Ben non, pas forcément. Ça marche parfois, mais pas toujours. Et puis, troisième façon de valoriser ces nouveaux usages, c'est les inclure dans d'autres choses. C'est-à-dire, je vais avoir un bel usage avec des objets connectés, et plutôt de le vendre au consommateur, je vais en l'ajouter dans un produit existant ou un service existant. Et comme ça, je vais le rendre plus attractif. Un exemple que je peux vous donner, c'est qu'on a créé nous-mêmes notre objet connecté qui s'appelle le bouton Darty, hein, où c'est un bouton d'assistance pour nos clients, où j'appuie et quelques secondes plus tard, on me rappelle de manière ultra premium et pour répondre à toutes mes questions. Ben ça, on lui met un prix, on le vend, mais surtout, on l'inclut parfois quand le client achète une garantie 5 ans, par exemple, qui a un prix, donc une rentabilité, quelque chose. Donc, ce business, c'est quoi? Le produit directement, le service qui package les produits, ou l'inclusion qui peut aussi être une solution. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point d'intérêt pour tout le monde, c'est la fidélisation. Hein, le fait qu'on va créer des objets qui indirectement vont créer de la valeur parce qu'ils vont fidéliser les clients. Par exemple, tous nos collègues GSA qui font Carrefour et autres, qui font des douchettes à la maison où je vais comme ça faire des courses directement en scannant les codes barres, des produits du frigo, et puis ensuite ça me crée une liste de courses et je clique sur mon smartphone et puis la commande part. Pourquoi pas? Donc en faisant ça, évidemment, je crée la fidélité. Troisième possibilité, c'est l'intermédiation. L'intermédiation, c'est Amazon avec son Dash Button qui va faire que il va devenir incontournable dans le lien entre le consommateur et puis son marchand lessive. Voilà. Donc d'une part, et puis enfin, probablement, mais ça je pense qu'il y a beaucoup d'experts dans la salle, ce qui me semble le vrai enjeu, l'enjeu majeur à long terme, qui est bien sûr la data et la connaissance client qu'on peut avoir, en particulier grâce aux smartphones. Alors, bon, tout ça, vous savez tout ça déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par ça? Alors, les grands domaines de besoins des clients, des consommateurs, franchement, je pense qu'on les connaît tous par cœur. L'énergie, la sécurité, bon, ça, c'est des choses qui existent, surtout la sécurité. Et je vais juste insister sur une chose qui est la partie qu'on appelle souvent dans notre domaine le confort, hein, et que, personnellement, je préfère appeler la simplification. Parce que s'il y a un domaine qui est encore relativement peu exploré, et sur lequel il nous semble, hein, vu du consommateur, qu'il y a un vrai besoin, c'est comment je vais simplifier la vie quotidienne des clients à la maison. Et je trouve que c'est plus puissant de voir ça sous angle de simplification plutôt que de comment je vais rendre ma vie plus confortable. Parce que la vie plus confortable, c'est sympa, mais je suis pas prêt à payer forcément 1000 euros ou 5000 ou même 500 pour avoir un truc qui juste va m'éviter, rendre un peu plus confortable ma vie.
Alors que simplifier la vie quotidienne des clients, des consommateurs, comme on peut le faire dans le domaine du business, de l'entreprise, je pense que c'est porteur. Mais bon, porteur, mais pour l'instant, il n'y a pas de marché. Hein. Alors, donc, quand on voit les freins, parce que c'est peut-être ça qui peut être intéressant pour vous, les freins vus de nos distributeurs B2C, je précise, hein, donc on n'ira pas au-delà, et de ce qu'en disent les clients. Alors, il y a les freins qui sont évidents, et que je ne développerai pas, vous avez sûrement déjà regardé, qui sont la partie technologie, on évoquait tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas de normes uniques, bon, je ne suis pas un spécialiste non plus, la privacy au sens des données clients. Quand on a lancé notre premier objet connecté, donc le bouton Darty, c'était amusant parce que le premier retour de nos clients, c'était de dire « Mais grâce à votre truc, là, on va pouvoir accéder à mes objets à la maison, c'est dangereux, comment est-ce que... » Alors que le truc, c'est juste un bouton. Mais hop, j'appuie, ça envoie un bit ou un octet quelque part. Mais la préoccupation du français par rapport à ça, elle est colossale. Et puis bon, c'est pas les affaires de hacking qui vont arranger ça. D'une part, protection des données. C'est voisin. Un truc qui est important aussi, c'est que, et qu'on a bien vu nous-mêmes, c'est le fait que les données clients, les données à moi soient protégées, que je ne puisse pas, qu'on puisse pas les utiliser, c'est quelque chose qui se market. Il ne suffit pas de dire aux clients, vous savez, on est vraiment super sympa, nous on n'utilise pas vos données, c'est protégé, machin. Non, il faut le mettre en scène. Vous voyez ? Quand on a lancé il y a 15 ans la prise en main à distance des PC, c'est-à-dire que pour la première fois, vous voyez chez vous, vous avez un problème sur votre ordinateur et vous appelez Darty, puis quelqu'un prenait à distance et vous avez déplacé le curseur à la petite souris. À l'époque, c'était révolutionnaire. On s'est rendu compte que les gens avaient très très peur. Donc du coup, on a créé un bouton panique sur l'écran où à tout moment, le client pouvait appuyer et comme ça, couper la liaison. Vous voyez ? Donc, il faut marketer cette protection. Il faut la mettre en scène, il faut la faire comprendre. Sinon, ça va être compliqué. Voilà, et puis ensuite, il y a quatre vrais freins, et qui sont ceux qu'on a rencontrés depuis des années, ceux qu'on a vus sur la Smart TV, je l'évoquais tout à l'heure, hein, et qu'on n'a pas réussi finalement à gérer suffisamment. Ces freins, c'est lesquels? Première chose, c'est l'utilité. C'est le fait d'avoir des objets et des usages dont le prix soit et un vague rapport avec l'utilité pour le consommateur. Bon, c'est évident, mais enfin, on fait des progrès là-dessus, on n'est plus à l'époque où... pour le moins de système de smart home, il fallait 1000 euros. Aujourd'hui, on vend des choses à 300 euros. Et pour un objet connecté indépendant, pour un usage précis, c'est quand même pas évident pour un consommateur d'acheter, et donc pour nous, distributeurs, de créer du mass market. Vous voyez, c'est pas... des usages nouveaux, on va dire, qui sont en plus de ce que la vie du consommateur aujourd'hui, et qui coûtent 100, 200, 300 euros, c'est pas facile. À une époque où... un téléviseur coûte 300 euros, un smartphone génial coûte 300 euros, vous voyez, enfin, cette notion de prix, elle est fondamentale, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de beaux produits, mais qui sont, malgré tout, invendables. Faut se le dire. Deuxième frein, ensuite, c'est, on va dire, le fait d'expliquer aux consommateurs l'utilité des objets. Donc ça, on en revient à la notion du rôle du distributeur. Hein, notre premier rôle, c'est de faire en sorte que nos clients viennent en magasin pour découvrir des produits, éventuellement qu'ils ne connaissent pas, et nous, on va leur démontrer les choses. Bon. Alors là, je m'arrête juste un instant par rapport à ça, parce que on voit beaucoup, beaucoup, ben, peut-être d'entre vous, de vos collègues, qui nous disent, ou qui nous expliquent, ou qui pensent très fort, le fait que le problème de la domotique et du smart home, c'est la distribution. Et donc, moi, je vous dis, non. C'est pas le problème. Voilà. Pourquoi ? La distribution, nous, on adore les nouveaux marchés. Les nouveaux business, les nouveaux objets, c'est un autre truc, donc c'est pas un souci. C'est vrai que c'est pas toujours facile de démontrer les produits en magasin, hein, et de les mettre en scène. Donc là-dessus, on travaille beaucoup. Mais pour arriver à ce qu'un distributeur, un point de vente, soit efficace, il faut qu'il y ait un volume suffisant d'activités de business. Dit autrement, si vous formez vos équipes, hein, pendant 3 jours, une semaine, à la domotique, au smart home, et qu'au bout de 6 mois, ils en ont vendu 2, ça sert à rien. Ouais. Donc, dit autrement, la distribution, c'est un élément important, c'est une condition sine qua non, mais ce n'est pas une condition suffisante. Vous voyez ? Troisième point, c'est la connexion effective des produits. Quand on a commencé, et je terminerai là très très vite, quand on a commencé à vendre des télés, encore une fois, connectés, et qu'on discutait avec les fabricants, peut-être qu'il y en a ici dans la salle.